Oh là là, mais comment je vais m'habiller aujourd'hui? Oh mon dieu, tous ces vêtements. Mais il y a des trucs, je sais même pas où je les ai achetés. Hein. Ça, je l'ai jamais porté. Je ne l'ai jamais porté. Je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. C'est pas possible. Faut que je fasse du tri. Il va vraiment falloir que je fasse du tri dans mon armoire là. Bonjour à tous, nous nous présentons, nous sommes les Vestis Écolos. Je m'appelle Léonie et dans la vidéo, vous allez rencontrer Adam, Juliette et Hugo. Nous avons souhaité participer au concours de Science Factor. Nous sommes partis d'un constat simple. Nous avons trop de vêtements dans nos placards et beaucoup que nous ne porterons probablement jamais. La COP26 a eu lieu au mois de novembre dernier et elle tente de faire baisser le taux de dioxyde de carbone dans le monde. Chacun, à son échelle, peut contribuer à cet effort. Pour cela, nous avons eu l'idée de réaliser une application afin de sensibiliser nos camarades, mais également le public, à l'empreinte carbone produite par nos vêtements. Nous nous sommes renseignés auprès de l'ADME et également sur le site MTATER pour trouver des informations. Nous avons demandé l'aide de lycéens, 4 élèves en terminale STI 2D du lycée Jean Monnet 10h. Nous ont aidés à réaliser une application en version HTML. Nous souhaiterions intervenir dans un premier temps auprès de nos camarades du collège en leur demandant de réaliser le test, mais également en organisant des débats afin de les sensibiliser. De plus, nous souhaiterions aller dans des écoles pour sensibiliser les plus petits pour l'avenir. Enfin, nous avions pensé à faire une collecte de vêtements qui serait donnée à une association avec laquelle nous avons déjà pris contact. Ce projet est très important pour nous. Nous faisons partie d'une junior association qui s'appelle Partage ta science, dont le but est de promouvoir les sciences au plus grand nombre. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Votez pour nous !